L'exposition « Matières premières pour construire demain », présentée au Forum départemental des sciences, invite le visiteur à redécouvrir les propriétés et les vertus d'un matériau de construction millénaire et plutôt oublié, la terre. Ce que le Forum départemental des sciences a souhaité ajouter à cette exposition qui est coproduite avec 5 autres structures dont la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, c'est un focus régional. En effet, est-ce que nous construisons en terre dans la région? Si oui, avec quelle terre? Quel type de technique nous utilisons? Est-ce qu'on les utilise encore aujourd'hui? C'est ce que le visiteur pourra découvrir dans l'exposition. Pour son installation et pour les espaces que nous avons ajoutés, c'est-à-dire l'espace régional ou le jardin des œuvres, nous avons fait appel à des prestataires qui ont utilisé des matériaux de construction recyclables, comme la terre. Vous trouverez du torchis dans l'exposition, des cimaises de bois brut et des couleurs réalisées avec des pigments naturels. Au-delà effectivement de toutes les questions scientifiques qui ont trait à la construction d'une maison en terre, l'idée c'était vraiment de montrer cet aspect esthétique et cet aspect chaleureux. Et c'est vraiment une dimension qui ressort très très bien dans cette exposition.